السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نخصصه لتصحيح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي المترشحون رسميون دورة يوليوز 2024 في مادة اللغة الفرنسية للتعليم العام والأصيل لجهة سوس ماسة. إذن قبل من هذا الشيء ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعيل الجرس ودعمونا باللايك، لايكوا هذا الفيديو مزيان باش يوصل جميع الأصدقاء ديالكم ويستافدوا منه الجميع إن شاء الله. إذا لو تكست كما شفتوا كيهضر على نسيم اللي مشى لواحد لوغفولينا وبقى كيتذكر الأهل ديالو. ألوغ أون فاليغ لو تكست رابيدمون. À l'âge de 7 ans, Nassim perd ses parents, ses frères et ses sœurs. Il est alors placé dans un orphelinat. Le premier soir à l'orphelinat, il reniflait les draps à la recherche d'une senteur, à la recherche d'une senteur familière. Ah, comme je l'aurais aspiré, ce bleu parfum de lavande, empreint de soleil et de bourdonnement d'abeilles. Avec ma mère et mes sœurs, nous en cueillions des brassées que nous égrenions comme épis de blé sur les plateaux d'osier. On m'octroya une place au dortoir, une place au réfectoire, une place en classe, une place à l'étude. On me donna des nouveaux habits. Je portais un pantalon et une chemise que maman n'avait pas choisi, ni lavé, ni repassé. Il ne me restait plus rien de chez nous. Ainsi fut accompli la rupture définitive avec les miens. Je revoyais ma mère devant sa corbeille de linge à repriser. Elle examinait une chaussette et s'écriait « Allah, que mes petits sont experts en gros trop. Inch'Allah, que tout enfant soit gardé à ses parents. » Elle passait et repassait son aiguille en une reprise parfaite et puis, comment pourrais-je jamais l'oublier, elle déposait un baiser sur la chaussette réparée avant de la ranger. C'était cela, ma mère, un jaillissement de bonheur pour tout son entourage. Elle ne nous oubliait pas seulement de vêtements. Pardon, elle ne nous habillait pas seulement de vêtements, elle nous habillait de son regard, de la douceur de sa voix et de ses gestes, des baisers qu'elle nichait dans ses corbeilles comme la lavande dans ses armoires. إذن بعد قراءة النص غادي نشوف التصحيح اللي درنا إن شاء الله. Alors, le tableau, le titre de l'œuvre, bien sûr, هو L'Enfant du Liban, l'auteur هو Mansour Labaki, et la maison d'édition, édition de Jubilé, et le narrateur هو l'enfant qui s'appelle Nassim. Alors, ce texte, deuxième question, ce texte est plutôt واش prescriptif, explicatif ou la narratif descriptif. Alors, bien sûr, ce texte, puisqu'il y a la narration, c'est un texte narratif, descriptif, justification. N'golo kaine les verbes sont conjugués au temps du récit. Il y a un narrateur qui raconte. Il y a une indication de temps, qui est le soir, etc. Troisièmement, à quel membre de la famille, de sa famille, le narrateur s'attache-t-il le plus, justifié à partir du texte? Alors, on dit qu'il s'attache le plus à sa mère. Justification. C'était cela ma mère. Je revoyais ma mère. Comment pourrais-je l'oublier? C'est-à-dire la justification. Bensbel, question 4. On vous dit de répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse à partir du texte. Le pantalon et la chemise de Nassim ont été choisis par sa maman. Est-ce vrai ou la faux? Alors, c'est faux. La justification, je portais un pantalon et une chemise que maman n'avait pas choisi. B, à l'orphelinat, Nassim fut privé de tout ce qui lui rappelait sa famille, ça c'est vrai. La justification, il ne me restait plus rien de chez nous, où là ainsi fut accomplie la rupture en Ilkatea. Cinquièmement, relier chaque terme à la définition qui convient en mettant une croix devant la bonne réponse. L'orphelin, ce qu'on a l'orphelin, ou l'enfant dont les parents sont morts. On m'octroya, je n'ai m'octroya, yani on me donna. Octroyer, yani donner.
Sixièmement, pensez-vous que le narrateur était heureux à l'orphelinat? Justifiez votre réponse. La réponse est lénante, c'est-à-dire il n'était pas heureux car il se rappelle toujours sa mère, ses sœurs. Il cherche l'odeur familière dans les draps de l'orphelinat. Monsieur Dabal, la langue et la communication. Premièrement, vous dites de relier les deux propositions de manière à exprimer la cause. Nassim est placé à l'orphelinat parce qu'il a perdu ses parents. Donc, c'est-à-dire parce que ou la car, Ngolo Nassim est placé à l'orphelinat. Pourquoi? Parce qu'il a perdu ses parents. Le but. Nassim ne veut pas rester seul, il se fait de nouveaux amis. C'est-à-dire l'expression du but, dire pour, afin de, afin que. Alors, il se fait de nouveaux amis pour, pardon, dire pour, afin de ne pas rester seul. Ou le donne afin que, c'est-à-dire le subjonctif, afin qu'il ne reste pas seul. Deuxièmement, refaites la phrase ci-dessous en remplaçant mais par bien que. L'orphelinat était propre, mais il ne ressemblait plus à chez nous. Donc, bien que l'orphelinat soit propre, c'est-à-dire le subjonctif, il ne ressemblait pas à chez nous. D'accord? Alors, troisièmement, complétez par ce qui convient. Nassim, c'est-à-dire a vu ou aurait une famille. Le subjonctif présent, c'est-à-dire l'imparfait. Ici, plus imparfait dans le subjonctif présent. Pardon, le conditionnel présent. Le conditionnel présent, donc c'est-à-dire ici, plus imparfait. Si Nassim avait une famille, il ne serait pas à l'orphelinat. Ensuite, sa maman et ses sœurs lui manquaient, c'est-à-dire pour que, ou le même si, ou le alors. Alors, pour exprimer la conséquence. Sa maman et ses sœurs lui manquaient, alors il décida de se confier à son journal intime seul. Alors, quatrièmement, on vous dit de conjuguer les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent. Wesh, l'imparfait, ou l'imparfait, simple. L'imparfait, Nassim se rappelait l'odeur de la lavande chaque fois qu'il reniflait les draps pour exprimer l'action qui se répète. L'imparfait, le passé simple. Quand il arriva à l'orphelinat, il vécut une nouvelle expérience. Donc, l'imparfait ou le passé simple. Cinquièmement, relevez à partir du texte une phrase où l'on exprime la comparaison. Maintenant, nous en cueillons des brassées que nous égrenions comme. Comme exprime la comparaison, comme épi de blé. B, deux mots appartenant, il faut relever deux mots appartenant au champ lexical de la famille. Maintenant, ses parents, ou là les miens, ou la mère et la sœur. Donc, il appartient au champ lexical de la famille. Sixièmement, relier l'énoncé à la situation appropriée. L'énoncé, on a la situation. Si mes parents étaient encore en vie, je ne serais pas placé dans un orphelinat. Une concession, où là on exprime une hypothèse. Si, plus l'imparfait, le conditionnel, donc ça exprime l'hypothèse. Complété par l'énoncé qui convient à la situation suivante. Nagalulina, situation Nassim se sent seul à l'orphelinat. Il décide de partir, un de ses camarades n'étant pas entièrement d'accord avec lui, parle en exprimant une concession. Que dirait-il? Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait dit? Maintenant, certes, tu sens la solitude à l'orphelinat, mais tu n'as plus personne chez qui tu peux aller ou y aller. Là, il doit exprimer la concession par certes, certes, mais. La production écrite, la production écrite, Galounenassim a décidé de quitter l'orphelinat pour aller chercher à la maison de ses grands-parents. Raconter en 12 lignes dans quelles circonstances il a quitté l'orphelinat et les sentiments qu'il a éprouvés en décidant de partir et lorsqu'il a retrouvé ses parents. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Sujet basé mais un jour, Nassim se réveilla tôt le matin, se sentant le cœur gros, la nostalgie à sa famille qui lui ont beaucoup manqué. Et vu qu'il a été mal accueilli et maltraité à l'orphelinat,
et s'est sauvé sur les pointes des pieds sans être vu ou aperçu par personne. Il s'est trouvé enfin à l'extérieur de cette prison qu'il a beaucoup détesté. Il a beaucoup détesté. Il a laissé une lettre à ses camarades où il leur expliquait pourquoi il a quitté les lieux. Enfin, il a senti un sentiment de la liberté et de la joie, surtout quand il a retrouvé ses parents qui l'ont accueilli à bras ouverts et lui ont permis de s'occuper de lui, comme l'a toujours fait sa mère et ses sœurs. هذا اكزومبل تقدروا ديروا بحالو ولا ماشي بحالو، المهم ان اكزومبل نقدروا نديروه بسيط نقدروا نديروه. وشكرا على انتباهكم.